Bonjour à tous, je suis Aurélie Tringard, je travaille chez Bayard Jeunesse et on a la chance aujourd'hui d'accueillir avec nous deux auteurs de talent qui ont créé le personnage d'Avni, donc Romain Pujol et Vincent Caux, qui seront accompagnés de Axel Plante-Bordeneuve, rédacteur en chef de Toboggan, et Elisa Renouille, éditrice, pour vous parler des 10 ans d'Avni. Donc 10 ans de ce personnage dans le magazine Toboggan et aussi dans notre label BD Bayard Jeunesse, BD Kids. Donc je vais laisser la parole à nos auteurs, vous partager la présentation. Donc je partage. Voilà. Et donc, je vais poser une question assez simple à nos auteurs que tous les enfants nous demandent en rencontre. Comment est né Avni? Donc oui, je disais que j'étais le scénariste d'Avni, pour préciser un peu les rôles. Donc Vincent est le dessinateur. Et en fait, je suis dessinateur aussi. On a commencé, Vincent et moi, par les blogs BD. Donc c'était une petite génération de nouveaux auteurs, on va dire. Et donc on s'était créé notre petit réseau comme ça. Et donc j'ai découvert que Vincent, à travers ses notes de blog, passait ses vacances d'enfance au même endroit que moi, vacances d'été. Donc on s'est retrouvés là-bas et on est devenus potes. Ça fait maintenant pas mal de temps Ben oui, qu'on on est était amis. ados, donc c'était il y a Comment? longtemps. On Ah, était ados, c'était il y a longtemps. c'était il y a longtemps et c'est une belle histoire, c'est presque romantique en fait. Et donc voilà, donc au bout d'un moment, on s'est dit que tout naturellement, il fallait qu'on crée une série ensemble. Et voilà, donc la collaboration est venue de là. Vincent, je Voilà. sais pas. Et puis en fait, au même moment, il s'est trouvé que moi, je commençais tout juste à travailler pour le magazine Toboggan. Et qu'une place se libérait pour un nouveau héros. Donc c'était en 2013. Et Toboggan m'a demandé de faire un essai et a demandé aussi à Romain de faire un essai. En fait, sans savoir qu'on réfléchissait à un projet ensemble d'ailleurs. Et en fait, tout après s'est enchaîné assez vite. On était justement en train de réfléchir à ce petit personnage qui était Avni. Et quelques mois plus tard, il est né dans les pages du magazine. Très chouette. Et depuis, il est dans le magazine tous les mois. Comment est-ce que vous définiriez ce personnage que vous avez inventé à ce moment-là? Quelles sont ses caractéristiques? Quel est son caractère? Racontez-nous Avni. Ben, dans Avni, tous les personnages sont des animaux. Alors ça, c'est un monde d'animaux anthropomorphes. Et au milieu de tout ça, il y a ce petit personnage qui s'appelle Avni. Et on ne sait pas ce que c'est en fait comme animal. On peut croire que c'est un peu une souris ou un ours, je sais pas, une grenouille, parce qu'il est bleu, mais en même temps, il a des pouvoirs étonnants. Il peut étirer ses bras dans tous les sens, changer de couleur, etc. Et nous, voilà, on voulait ce personnage qui était un personnage étrange au milieu d'un monde animalier. Après, ça reste quand même un enfant. Voilà, il a quand même un caractère d'enfant. C'est un monde anthropomorphe, quoi, vraiment. Donc, ça reste des humains animaux. Et sauf que cet humain-là, il a plein de pouvoirs. À propos de ses pouvoirs, justement, il a plein de pouvoirs. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu lesquels et puis comment il s'en sert? Ok, bah, en fait, Avni, donc, il a plein de pouvoirs qui sont quand même proches des animaux en règle générale. Il peut avoir une langue de grenouille, il peut devenir un peu invisible comme un caméléon. Donc il y a des sortes de capacités qu'on va retrouver dans la nature. Il peut changer de couleur, il peut s'étirer, il est très élastique. On l'a même vu dans certains épisodes marcher sur l'eau, un peu comme les araignées d'eau. Il a vraiment plein de capacités étranges. Et puis aussi, des fois, il a des sortes de... C'est pas tellement des pouvoirs, mais c'est plus des... comment dire, un genre de comportement. Il va réagir à des sortes de choses, par exemple, il peut fondre sous l'effet du soleil, et quand il est malade ou qu'il éternue, il y a sa truffe qui peut partir. Donc, il peut. C'est pas tellement des pouvoirs, mais c'est plus des sortes de particularités physiques. Donc, voilà, donc ça ferait plutôt partie de ses faiblesses, en fait. Donc, il a. C'est un mélange de tout ça. Et après, Vincent, comment il les utilise, si tu veux préciser ça. Comment, pardon, comment je les Comment il utilise? utilise ses pouvoirs? Ah, oui, parce qu'on dit pouvoir là comme ça, mais il ne faut pas l'entendre en termes de super pouvoir comme un super héros. En fait, Avni, bah, c'est un enfant, et nous, c'était
C'était ça qu'on voulait raconter, on veut raconter l'enfance. Donc, il utilise ses pouvoirs pour aider ses copains à la cantine, pour atteindre les cookies dans l'armoire quand ils sont placés trop haut, des choses comme ça à hauteur d'enfant, quoi. Voilà, il expérimente aussi parfois. Il va faire des... voilà. Mais il ne les utilise pas comme un super-héros. D'ailleurs, il y a un tome où il se pose la question de est-ce que potentiellement, il pourrait s'en servir pour être un héros, et on voit que, en fait, non, ça reste un enfant. Voilà la conclusion. Et au fur et à mesure, en fait, des tomes, il découvre même de nouveaux pouvoirs avec beaucoup d'innocence, quoi. Il se dit, tiens, si je veux faire ça, il le fait. Pardon, excuse-moi, c'est une série d'humour. Oui. Ce sont des gags en 2 pages. Comment est-ce que vous, auteur, illustrateur, tu peux rester sur la slide d'avant, Aurélie. Comment est-ce que vous, auteur, illustrateur, vous vous servez de ces pouvoirs narrativement, et qu'est-ce qu'il raconte aussi de Avni? En fait, ces pouvoirs, à chaque fois, c'est des aventures, c'est des prétextes. Ça va être vraiment pour aider les autres. Donc, narrativement, en fait, c'est un peu infini, les sources d'histoire qu'on peut raconter avec ça. Parce qu'il ne peut pas quasiment tout faire, il ne va pas voyager dans le temps, mais quand même, il a plein de capacités qui lui permettent vraiment de résoudre des problèmes, de créer des problèmes aussi parfois, parce qu'il en abuse. Donc, c'est quand même une source de gag assez infinie. Oui, c'est souvent ça, hein. Il crée souvent des problèmes, en fait. C'est plutôt une source de gag qu'autre chose. Parce que bon, nous, en fait, on utilise aussi ça pour se faire rire, nous deux. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un projet de copain avant tout. Donc, c'était marrant de faire ce personnage qui en fait, on se raconte tout le temps plein de blagues autour d'Avni. On dit, si Avni faisait ça, on rigole et puis on le fait, quoi. OK. Je pense que tu peux passer à la suivante, Aurélie, si tu veux. La suivante, c'est on voulait que vous faire parler aussi d'une thématique qui nous semble vraiment importante dans la série Avni, qui est la thématique de la différence. C'est un héros qui n'est pas comme les autres. En illustration, c'est des petites images de recherche du début. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler cette thématique, et puis comment vous la traitez, vous? On a déjà un petit peu dit des choses là-dessus. En fait, on voulait ce personnage qui était bizarre, mais jusque dans son nom, d'ailleurs, hein, on ne l'a pas précisé, mais Avni, ça ressemble à OVNI, et ça veut dire animal vraiment non identifié. C'est déjà dans son nom, on sait que c'est un animal bizarre, on ne sait pas ce que c'est, etc. Et cette thématique, elle est vraiment au centre. Alors, dans le héros, mais aussi dans les autres personnages qui sont autour. On a dit que c'était tous des animaux, et en fait, on utilise souvent cette petite métaphore des animaux pour parler de plein de différences. Par exemple, on a un personnage perroquet qui ne peut que s'exprimer qu'en répétant ce que disent les autres. On a un personnage qu'on voit ici en bas, un petit serpent qui s'appelle Alex, qui n'a pas de bras et pas de jambes, donc il est parfois, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, quoi, qui fait mal. Voilà, on a des personnages tout petits, des personnages très grands. On traite quand même pas mal de la différence. Mais vous avez l'impression d'être attentif à certains points quand vous travaillez ce sujet-là? On fait attention parce qu'on parle quand même à de jeunes lecteurs. Quand j'écris, quand même, je me fais globalement plaisir. J'essaie de faire des choses, c'est un peu sans filtre parfois, et Vincent, c'est la morale, c'est celui qui vient un peu recadrer des fois quand je vais trop loin, et c'est pour ça que le binôme fonctionne bien aussi. On s'entend super bien à ce niveau là mais voilà, c'est un sujet quand même qui est la différence, c'est un sujet qui est très très générateur de gags, en fait. C'est un truc que je fais souvent dans mes histoires. Malgré moi, je tombe toujours sur des séries où c'est la différence dont on va parler. Et Avni, on est en plein dedans. Et donc voilà, là, plus particulièrement, comme on est une cible pour les 5-10 ans, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc Vincent est le chef, est le contrôleur des travaux finis. Non, voilà. Pas vraiment, je ne suis pas le rabat-joie des deux. Je crois non, parce que qu'on l'a, pour la jeunesse, c'est une responsabilité. On vient quand même s'inviter. Souvent, c'est les premières lectures. On nous dit souvent en festival ou dans le courrier des lecteurs et tout, que c'est la première BD que les enfants lisent. Parfois, comme on s'adresse à un lectorat qui apprend la lecture, c'est les premiers livres qu'ils lisent tout seuls. Donc,
on se doit un petit peu d'avoir conscience de ça, quoi, qu'on participe à leur imaginaire. Alors, ils lisent d'autres choses, hein, on n'est pas les seuls, mais on doit avoir conscience qu'en fait, ça va leur faire des espèces de pré-expériences, quoi, de vie. Et donc, il ne faut pas se tromper, il faut bien choisir ses mots. Et souvent, on va en plus tomber entre les mains d'enfants qui sont concernés par la différence. Donc, voilà, faut pas prendre ça à la légère. On peut faire des blagues, hein. On fait des blagues tout Oh, on fait des le blagues. temps. Non, parfois on est un Sérieusement. peu sur le, on est sur le fil du rasoir par moment, mais c'est aussi ça qui, je pense, fait marrer les enfants. Ouais, C'est un peu on l'impertinence dramatise. parfois d'Avni, les farces qu'il peut faire. Des fois, il va un peu loin. Il y a un épisode où il va se cloner pour pas avoir à travailler, à faire ses devoirs, par exemple. Donc, c'est vraiment des sujets que si un enfant avait ce pouvoir aujourd'hui, je pense qu'il le ferait pour déléguer un peu. Mais voilà, enfin, on fait quand même attention globalement, voilà. Mais ça m'amène à la question suivante, à la page suivante de notre présentation, qui est l'enfance. Pour nous, c'est une qualité qu'on identifie assez clairement. C'est que Avni traite avec énormément de justesse de l'enfance et notamment des relations d'enfants entre eux, de toute la cour d'école, etc. Puisque donc on est quand même dans une série qu'on appelle Vie quotidienne. Comment est-ce que vous vous faites pour être proche comme ça de l'enfance des enfants et plus globalement, comment est-ce qu'on écrit selon vous pour les enfants? Alors moi déjà, quand je me lance dans l'écriture de scénario, je me mets dans la peau d'un enfant. En fait, j'essaie d'écrire comme si j'écrivais au moi plus petit le genre d'histoire que j'aurais aimé lire. Donc déjà, je fais par rapport à ma propre expérience. Et après, je fais beaucoup d'interventions scolaires. Donc je suis amené à voir encore les enfants de la nouvelle génération. Et je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de points communs entre celle-ci et la mienne. Des jeux de cartes Pokémon, par exemple, qui ne changent pas. J'avais ça quand j'étais petit, c'est toujours le feu en ce moment dans les cours de récré. Même des vieux jeux, les billes, les figurines, les ballons de foot et tout ça. Et même des générations antérieures ont connu ça. Donc, c'est des trucs qui sont un peu, qui traversent les générations comme ça. Donc, les enfants ne changent pas trop quand même, même si peut-être qu'ils sont de plus en plus. Ils ont plus d'accès à des informations, ils deviennent plus grands plus vite en fait que les enfants de la génération actuelle. Mais globalement, il y a toujours plein de. Voilà, c'est les mêmes jeux de récré, c'est les mêmes émotions aussi. Par exemple, quand je fais mes interventions scolaires, j'adore regarder les cours de récré, voir comment les enfants se comportent. Et je vois qu'ils ont des trucs, ils ont vraiment une espèce de petite flamme en eux, une petite étincelle. Ils vont jouer à un jeu, ils vont y croire à 100%. Et c'est vraiment un truc qui est à cet âge-là, qui est fixe et qui ne bouge pas. Et c'est cette chose-là que j'essaie d'attraper, de mettre un peu dans le monde d'avenir. Ouais, et puis écrire pour l'enfance, c'est aussi s'adresser à un public, je l'ai dit tout à l'heure, qui découvre la lecture. Donc c'est des jeunes. Et on est obligé de s'adapter à un rythme, c'est un rythme d'écriture particulier, quoi. Tous les gens qui travaillent dans la jeunesse le savent, ils apprennent à lire, donc ils lisent plus lentement. Donc il faut faire très attention à raconter les choses avec le moins de mots possible, sans tomber dans un truc atténué, etc. Et nous, quand on a construit la série, on a fait en sorte que ce soit, mon fond évidemment gâche tout, mais on a fait en sorte que ce soit des histoires de 2 pages et que les enfants vivent le maximum de choses en le moins de pages possible, quoi, et qu'ils puissent s'arrêter de lire quand ils veulent. Donc, ils peuvent lire jusqu'à la page 8 s'ils veulent, ils auront quand même vécu quelque chose sans être pénalisés, quoi. Ils auront la fin de leur histoire. Ça, on fait attention à ça, d'avoir quand même le plus d'aspérité possible, mais le plus facilement accessible en termes de lecture. Ouais, j'ajouterais aussi un truc, c'est que quand on écrit, donc on essaie de ne pas prendre les enfants pour des idiots, on n'hésite pas à employer des mots un peu compliqués, si parfois l'image suffit à comprendre le mot compliqué. Et je pense, je reviens juste sur ce truc d'émotion que les enfants ressentent. De temps en temps, dans la bande dessinée Avni, on va s'amuser à mettre un épisode un peu spécial, un peu horrifique, par exemple, comme un cauchemar, un peu. Surprenant comme une aventure avec le tonton dans des temples mystiques, etc., où on sort complètement du quotidien. Et en fait, on se rend compte que les enfants aiment bien ces émotions, ils les captent vachement. C'est très vite, par exemple, si on reste sur la scène horrifique, c'est très vite dédramatisé et résolu très, très rapidement.
Mais en fait, les enfants ont un genre de petit pic d'émotion à ce moment-là où ils ont un peu peur quand même parce que c'est leur héros, ils sont attachés depuis 10 tomes. Et puis, ouf, d'un coup, ça va mieux. Et c'est quelque chose qu'on s'amuse un peu à faire, c'est transmettre des émotions. Donc, on y va quand même, des fois. Ouais. Et on n'hésite pas... Oh, pardon, excuse-moi. Non, bah vas-y, continue. Par rapport à ces émotions, des fois, parfois, même, on n'hésite pas et assez loin dans les choses qu'on raconte. Dans le tout dernier tome là, qui vient de sortir, on s'attaque à la thématique de l'adoption. Et on l'a fait, on s'est dit, allez, on y va, on le fait, quoi, on raconte. En fait, c'est le tome un peu, c'est l'anniversaire d'Avni cette année, on fête les 10 ans, et ce tome 10, c'était aussi important de parler d'un sujet, de mettre des petites révélations aussi. Il y a ce truc dans la série, c'est pas juste une série à gags, c'est une série quand même où le temps existe, c'est-à-dire les jours passent un petit peu, le héros vit pas tant que ça, mais quand même, il se construit sa bande de copains, il y a un mini fil conducteur aussi où on en apprend sur le héros. Et pour les 10 ans, on voulait faire une sorte de révélation parce que Avni a des parents qui sont des chiens, donc c'est un peu surprenant d'avoir ça. Et il ne s'était jamais posé la question de pourquoi mes parents sont comme ça. Pour lui, juste, c'est normal. Sauf que dans le tome 10, il découvre qu'en fait, peut-être il a été adopté. Donc, c'est une thématique assez délicate, mais voilà, c'est une information qu'on apporte sur l'origine d'Avni. Et je pense que dans les tomes à venir, on leur donnera davantage d'informations sur son origine précise, d'où il vient, pourquoi il est comme ça. Et donc, il y a aussi un petit côté, on essaie d'attraper un peu les enfants avec des sortes de teasing comme ça. Et ils nous posent plein de questions et petit à petit, on y répond. Oui, vous jonglez entre la légèreté un peu vie quotidienne enfance et des pics d'émotions ou d'informations un peu, parfois un peu plus hautes pour... Oui. Exactement, voilà. Et vous disiez tout à l'heure que vous écriviez avant tout ce qui vous faisait rigoler, pour commencer. Est-ce que vous avez l'impression d'écrire exclusivement pour les enfants ou est-ce que vous écrivez aussi pour vous, pour d'autres adultes ? Dans le format déjà du livre, c'est un truc déjà qui est pour les enfants. Ça, faut pas l'oublier. On a des gags en deux pages, on a des pauses, des respirations. Donc ça, déjà, les enfants, c'est sûr que c'est pour eux. Ensuite, il y a un public qui peut être des jeunes parents qui découvrent un peu Avni, qui lisent avec leur enfant, par exemple. Et eux, moi, je m'amuse à leur glisser des blagues, et Vincent aussi le fait beaucoup, glisser des clins d'œil, des petites références, rien que pour eux. Par exemple, Avni, dans le premier tome, il regarde une émission de télé, c'est le Club Dodoroté. C'est un dodo qui présente. Le Club Dodoroté, autant dire que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas, mais les jeunes parents, par contre, oui. Je ne sais pas, Vincent, s'il y a d'autres références que tu veux citer. Oui, ça passe beaucoup par des petites choses cachées dans les coins des cases. On peut parler du maire de la ville qui s'appelle Donald Trump et qui est un éléphant. Bon, on place comme ça des petites blagues, mais je te rejoins là-dessus, Romain. C'est vrai que jamais on pense que. Enfin, c'est toujours les enfants au centre, quand même. On le fait pour eux, il ne faut pas l'oublier. Et. Moi, je me méfie un petit peu des séries qui veulent absolument être validées par un public adulte pour avoir de l'intérêt pour les enfants, comme si c'était un lectorat qui avait moins de valeur. Et on n'est pas là-dedans. Enfin, c'est les enfants qui sont au centre. C'est pour eux. Les petites blagues, elles sont accessoires, elles sont sur le côté. Après, j'ajouterais aussi un truc, c'est que les enfants qui lisent Avni, généralement, qui ont commencé tôt, ont du mal un peu à lâcher ce personnage en grandissant parce qu'ils vieillissent avec lui et c'est un personnage, encore une fois, qui est un peu mystérieux. On a toujours envie d'en savoir plus et c'est compliqué de lâcher une série en cours de route en se disant « maintenant, je suis trop vieux pour lire ça ». Il y a beaucoup enfin, maintenant, on commence à avoir des lecteurs qui ont parfois 12 ans, qui sont un peu plus grands. Même parfois, il y a des adultes qui nous lisent aussi, qui ont été un peu attrapés par la BD parce qu'ils lisaient ça avec leur enfant. Et donc, voilà, donc c'est vraiment, ça dépend des sensibilités, mais globalement, voilà, on reste pour les enfants, mais les adultes peuvent s'y retrouver aussi. Mais d'autant plus que la richesse de ce que vous mettez comme blague, etc., c'est aussi des choses que les enfants recherchent. Enfin, genre en dédicace, j'ai l'impression que souvent, les enfants sont fiers de vous dire qu'ils ont trouvé, compris telle blague, repéré telle référence. En plus, la spécificité d'un lectorat jeunesse, c'est que tous les ans, il a grandi. Enfin, et donc, ce qui n'est pas le cas pour les adultes. Quand on a un an de plus, on lit un petit peu pareil. Mais eux, ils découvrent des nouvelles choses, ils n'arrêtent pas de grandir. Donc, un lecteur de 5 ans, ce n'est pas du tout le même qu'un lecteur de 8 ans. Et par contre, nous, on va l'accompagner dans ces âges-là. Donc, il va revenir chercher plus de subtilités qu'il n'avait pas compris.
Et même des fois, il y a un espèce de défi de ils veulent grandir, quoi. Ils veulent comprendre tous les petits trucs qu'on met. Donc, c'est vrai qu'on leur donne des fois ces petits défis. Ils n'ont pas forcément toutes les clés au début et puis ils cherchent, quoi. Super. Je voulais aussi vous faire parler un petit peu du graphisme et du design, puisque Avni, c'est aussi un graphisme particulier qui est notamment lié à ces transformations, mais pas que. Et j'aurais voulu savoir, Vincent, si tu avais des influences, notamment, comment tu avais travaillé ce design et comment il avait évolué ces 10 dernières années. Ouais, ben en 10 ans, il a beaucoup changé, hein. Je ne sais pas si ça se ressent, enfin, moi je le vois, mais si ça se voit autant, mais il est ça se quand voit, même. Ça se voit quand même. Ça se voit quand même. Comparez juste, si vous avez l'occasion de voir le tome 1 et le tome 10, juste comparer déjà la couverture, ouais. Regardez à l'intérieur, rien à voir. En fait, à force de dessiner les personnages, forcément, ils ont changé. Et puis, c'est vrai que mes influences ont pas mal bougé. Au début, je venais plus de moi de la BD jeunesse, du livre jeunesse, etc. Et au fur et à mesure des années, je me suis de plus en plus laissé influencer par le cartoon. J'ai été chercher plus vers quelque chose qui est plus en volume, plus en détail aussi. Donc, c'est vrai que les personnages, au début, quand on regarde les derniers tomes et puis les premiers tomes à côté, les premiers tomes peuvent paraître un petit peu plats, simples, assez minimalistes. Je venais plutôt de ça. Et là, ils changent pas mal, ils continuent d'évoluer, quoi. Moi, je m'autorise ça, je trouve que c'est pas grave que le dessin change au fur et à mesure des tomes. Et puis c'est normal aussi qu'à force de le dessiner en 10 ans, mais oui. N'importe quel dessinateur, même sans forcément le vouloir, change son trait. Vincent, je trouve que pour travailler avec lui et voir comment il bosse, à chaque fois, il va chercher un nouvel outil, comment je pourrais améliorer cet effet de lumière, etc. À chaque fois, il est en recherche de trouver un truc un peu différent pour raconter les histoires. Donc, il y a cette recherche-là. Et après, plus basiquement, juste l'origine du héros, on n'en a pas parlé trop, mais le design d'origine, on a cherché longtemps. Enfin, on avait très peu de temps pour le faire, mais on a cherché longtemps sur le peu de temps qui nous était imparti pour trouver un design à peu près un peu mignon, un peu bizarre. Donc il y a eu la couleur, il y a eu plein de choses. Au final, c'était quand même en étroite collaboration avec Toboggan, donc on leur envoyait les recherches et au final on s'est mis d'accord sur une version avec les petites oreilles qui lui donnaient un petit côté choupi, mais il a failli ne pas en avoir. Il a failli avoir des yeux au-dessus de la tête. Enfin, si vous voulez voir les recherches, n'hésitez pas à regarder dans le tome anniversaire avec les bonus. Il y a un petit panaché de toutes ces possibilités. On n'est passé pas loin de la catastrophe. ouais, voilà. Et sur le dessin, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus, mais c'est vrai qu'en plus, les transformations, parfois, c'est des défis de dessin, quoi. Je pense à un épisode où Avni devient une tante pour protéger ses amis de la pluie. Ça a été assez difficile à rendre, quoi. En fait, moi, j'aime bien qu'on sente l'élasticité du personnage, etc. Et c'est vrai qu'il faut tout le temps chercher des nouvelles choses, quoi. Comment faire ce petit reflet particulier pour rendre palpable, en fait, Avni, quoi. Super. On est bueno. Voilà, ça, c'était le premier dessin d'Avni, par exemple. Et donc, je vais passer la parole à Axel. Donc, les lecteurs sont nombreux chaque mois à lire les aventures d'Avni dans Toboggan. Et ils sont nombreux à envoyer des dessins, comme on peut le voir ici. Comment tu expliques cet attachement et ce lien que vous avez avec les lecteurs? Pour moi, la force d'Avni, c'est comme on voit les auteurs, ont gardé ce lien avec l'enfance. Et ça se sent en nous, c'est l'une des choses qui nous a vraiment séduit dans cette BD, c'est qu'on ressentait vraiment que l'enfance était toujours là, les souvenirs, la façon de voir, et qui nous, on côtoie nos lecteurs régulièrement, on va dans les écoles, voilà. Et du coup, on est en lien avec ces enfants qui sont à la fois très différents de nous quand on était vers ces âges-là, et en même temps, bien proches par d'autres aspects. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment cette BD. Ils ont réussi à capturer l'esprit. Pour moi, c'est la cour de récré et toutes les,
toutes les interactions sociales qu'il y a dans une cour de récré, où c'est un univers complexe. Je pense que chacun peut se souvenir, voilà, des relations avec les uns et les autres. Moi, j'aimais beaucoup, par exemple, les épisodes avec le caméléon, qui avant était un peu une star parce qu'il était invisible. Et puis arrive Avni, qui a encore plus de pouvoir. Et du coup, voilà, il se fait dépasser par Avni. Et du coup, il y a vraiment une haine contre lui qui se met en place. Et c'est des choses qui se passent dans les cours de récré, des gens qui veulent la vedette, des inimités, voilà. Et en même temps, des fois, des amitiés qui arrivent comme ça, qui naissent. Au fur et à mesure, en plus, il y a des petits nouveaux qui arrivent, des petits personnages qui arrivent et qui ont chacun leur spécificité. Et ça, je pense que les enfants, ils reconnaissent en fait des choses qui vivent et qui leur plaisent. Et la dimension magique d'Avni, c'est aussi ce qui marche dans beaucoup d'autres séries aussi. C'est-à-dire, oui, c'est mon quotidien, je reconnais l'effet miroir, mais il y a le petit twist en plus de je m'étire, je deviens invisible et du coup, je change d'une réalité ordinaire en quelque chose de fou. Donc, il y a à la fois le lien émotionnel et en même temps la magie. Et ça, on sait que c'est quelque chose sur la tranche d'âge qui marche toujours. Dans beaucoup de séries, on voit que c'est quelque chose qui plaît. En même temps, ça me concerne. Et en même temps, il y a quelque chose de plus auquel je n'avais pas pensé, imaginé. Voilà. Et donc, on reçoit énormément de dessins. Ça, c'est un petit extrait. On fait surtout aussi beaucoup d'ateliers avec Avni. On leur fait écrire des histoires, des noms, des personnages, imaginer des choses. Là, on a un concours pour le dernier album où ils nous envoient, en gros, leur version 2 dans l'univers d'Avni, s'ils étaient un animal et qu'ils étaient un compagnon d'Avni. On a plein de créations super chouettes. Et voilà, ils sont très attachés à ce personnage et à la galerie de personnages. Ils aiment beaucoup Bambou, ils aiment beaucoup Kara, l'histoire d'amour impossible entre Kara et Avni, ça fait partie des choses aussi qui sont... Voilà, qui plaisent aux enfants, qui les font beaucoup rire. Et ils aiment Avni et ils aiment la bande de potes d'Avni parce que c'est une très belle description aussi de l'amitié. C'est hyper positif aussi, ça. C'est quelque chose qu'on ressent bien dans la série. C'est Avni ne se pense pas au-dessus de ses copains. Il a des pouvoirs, mais c'est pas, comme disaient Vincent et Romain, c'est pas un super-héros. C'est un enfant différent. Et ça, je pense aussi, c'est important parce que beaucoup d'enfants se sentent différents pour plein de raisons, chacun à sa façon. Et d'avoir quelqu'un qui se sent différent sans que ça soit un super-héros, c'est très chouette aussi. Et après, voilà, Toboggan, c'est un magazine qui est assez ancien. C'est le premier magazine de Milan Presse. Et quand on a dû évoluer avec le temps, et là, ce qui nous paraît le plus important pour nous, c'est d'amener la lecture à des enfants qui ne pensaient pas qu'ils étaient faits pour la lecture. Quand on a retravaillé sur Toboggan, on a interviewé beaucoup d'enfants, et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand un enfant, une mère nous a dit « Moi, mon fils, aujourd'hui, s'il lit, s'il est rentré dans la lecture, c'est grâce à Avni. Il a appris à lire avec Avni. » Parce que, voilà, il y a beaucoup d'enfants qui rentrent dans la lecture sans grande difficulté, et puis il y a des enfants pour qui la lecture n'est pas motivante par elle-même. Typiquement, c'est pas en leur donnant un magazine comme J'aime lire ou J'apprends à lire qu'ils vont réussir à rentrer dans la lecture parce que c'est des longs textes avec des images à côté, il faut faire le lien entre les deux. Et pour certains enfants, ils comprennent pas la motivation, pourquoi. Toboggan, c'est vraiment mis pour mission d'aider tous les enfants à rentrer dans la lecture. Et la BD est vraiment un moyen d'aider les enfants à motiver dans la lecture. Vraiment, alors il y a on fait attention au volume de texte, au niveau de lecture, mais le plus important, c'est la motivation. Un enfant qui a des difficultés à rentrer dans la lecture, s'il ne comprend pas pourquoi il rentrerait dans la lecture, il ne va pas le faire. Donc nous, dans Toboggan, on a des jeux, des documentaires, on offre une variété de formes de lecture qui motivent à ça, et Avni en fait partie parce que c'est tellement chouette qu'ils ont envie de pouvoir le lire tout seul. Ils n'ont pas envie que ce soit leurs parents qui leur lisent Avni. Ils se sautent quand ils reçoivent le magazine, ou ils le disent quand ils reçoivent le magazine dans leur boîte aux lettres. Ils sautent sur les BD, ils sautent sur Avni, ils veulent directement savoir l'épisode du mois. Et du coup, sans s'en rendre compte, ils font des progrès dans la lecture. Et voilà, nous, c'est une mission qu'on s'est donnée sur Toboggan, c'est aider ces enfants-là à progresser en lecture sans qu'ils s'en rendent compte, par le plaisir. Et ce héros nous aide beaucoup, et ça, on en est très content. Merci beaucoup. Et donc, Elisa, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de Avni dans BD Kids? Donc, aujourd'hui, il y a 10 tomes parus. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus, et comment tu travailles sur ces éditions en BD?
Oui, bien sûr. Donc après leur parution dans les pages de Toboggan, on publie les gags d'Avni dans des albums au sein d'une collection qui s'appelle BD Kids, qui est un label BD de Bayard Jeunesse. Et c'est un label qui est assez fort et qui a été, je crois, un vrai écrin pour cette série, pour plusieurs raisons. L'une des principales, je crois que c'est parce que c'est une collection qui est très identifiée par les lecteurs, les parents, les libraires, les bibliothécaires, qui savent qu'ils vont pouvoir y retrouver des héros de qualité, qui sauront faire rire leurs enfants, et qui vont pouvoir s'adresser à eux avec justesse. Et Avenir entre, on l'a vu totalement dans cette ligne, dans la promesse de ce label. Et donc, il s'est inscrit avec une grande évidence au sein d'une sorte de famille de héros BD Kids qui se portent les uns les autres et qui, je pense, participent comme ça de ce développement. Un autre point qui me semble vraiment important, c'est qu'on est aussi sur une collection qui est conçue complètement pour les enfants, jusque dans sa fabrication. Ce sont des livres petits, souples, solides, qui sont faits pour être lus et relus par des petites mains. Et là aussi, on est complètement en phase entre le fond et la forme. Voilà, je pourrais évoquer plein d'autres raisons, mais en tout cas, je pense que BD Kids a vraiment voilà, accompagné Avni dans son développement et dans son évolution, jusqu'à donc ce 10e tome qu'on est ravis d'avoir publié cette année. Donc voilà, on a mis toutes les petites couvertures les unes face aux autres. C'est effectivement l'occasion de voir ce que disaient Romain et Vincent, l'évolution aussi du design, mais pas que. Je trouve que c'est aussi l'occasion de se rendre compte de la grande richesse, de la grande diversité de scènes, d'ambiances que propose le personnage et l'univers. Ensuite, pour répondre à ta question un peu plus concrètement, comment on travaille en fait dans chaque tome d'Avni, donc il y a des gags qui viennent de Toboggan, mais pas exclusivement. En fait, chaque tome d'Avni comporte pour moitié des gags inédits qui sont créés par Romain et Vincent pour l'album. Et ces gags inédits, en partie en tout cas, suivent une thématique, une intrigue un peu plus longue qu'on appelle entre nous le fil rouge. Et ce fil rouge de chaque album, c'est ce qui donne le titre, la couverture, la thématique globale, l'habillage, les jeux, etc. Et je voulais vous faire parler un petit peu, Romain Vincent, de ça, de qu'est-ce que vous pensiez que ce fil rouge apportait à la série, et plus globalement, est-ce que vous écriviez différemment quand vous écriviez pour Toboggan et quand vous écriviez pour les inédits BD Kids ? Les fils rouges, ça apporte, ça donne du sens au livre, en fait. Comme tu l'as dit, Elisa, on reprend 12 épisodes de Toboggan, qu'on compile dans un avenir, mais on a la moitié à faire, la moitié d'un livre à faire et à imaginer en inédit. Et donc, on se permet des épisodes parfois qui sortent un peu du cadre Toboggan, par exemple un peu plus dégoûtant. On essaie de faire des trucs un peu plus limites qui ne passeraient pas, par exemple, dans le magazine Toboggan, pour donner le petit truc un peu piquant ou un peu salé de l'album en BD. Mais on n'en fait pas, 10 000 idées comme ça. À côté de ça, on va faire le fil rouge. Qui, comme tu l'as dit, donne le titre, donne l'identité du livre et qui voilà, donne un peu ouais, l'âme de l'histoire, en fait, et chaque tome. Alors, au début, dans le premier tome, ce n'était pas encore tout à fait posé et ça s'est vraiment installé au fur et à mesure de la série. Et maintenant, on est à partir, je crois que c'est à partir du tome 6 ou 5 même, on commence vraiment à avoir une histoire longue, une aventure de fin qui va durer, qui va être toujours sous le format d'histoire en deux pages, mais qui avance vraiment et qui va vers une résolution. C'est une grande aventure, souvent d'une dizaine de pages avec un épilogue. Donc, c'est une autre manière de raconter ça, typiquement. Alors, à moins qu'Axel change d'avis, mais si Axel est OK pour faire une histoire longue d'Avni de 15 pages dans un toboggan, on est partant. Hein. Mais ça risque d'être Avni Magazine. Quoi. Faut laisser de la place aux autres quand même, Romain. Ouais. Oui, bah ça nous sert, comme tu disais, Elisa, ça nous sert aussi à bien identifier chaque tome et à, en fait, on compose un petit peu les tomes d'Avni comme les saisons d'une série, quoi. Avec, en fait, dans cette saison, qu'est-ce que ça va être la grande histoire et qu'est-ce qui va être, par quelle étape, qu'est-ce qui va traverser Avni, en fait, qu'est-ce qui va lui arriver. Et souvent, c'est des thèmes, ça nous permet aussi d'aborder des thèmes qui vont être très, très différents. L'adoption dans le dernier, l'avant-dernier, c'était qu'est-ce qui se passe quand on a des pouvoirs et qu'on va trop loin avec, et qu'on prend trop de place et qu'on laisse pas à ses amis l'espace de s'exprimer. Dans le tome 8, c'était la trahison, l'amitié. Enfin, voilà, on aborde des choses comme ça.
Je pense aussi au tome 6 où il se pose la question de ah ben, un personnage qui est méchant, est-ce qu'il est vraiment méchant ou est-ce que si on apprend à le connaître de l'intérieur et qu'on comprend son parcours de vie, on peut peut-être voir qu'il y a des raisons à ça. Voilà, on pose ces questions-là et on les pose aux lecteurs aussi. Et ça raconter des histoires, voilà, on a plus de place, quoi. On a plus de place, ça permet de prendre le temps de développer des personnages parfois secondaires aussi. En petit gag de deux pages, c'est un peu vite expédié. Et vraiment, avec une histoire longue, un fil rouge, on peut connaître vraiment un personnage secondaire à 100%. Et après, quand on le revoit en histoire de deux pages, et bien, on le connaît un peu mieux et on a une sensation un peu différente de lecture. Donc, la presse et l'édition sont vraiment complémentaires en ce sens-là, je trouve. Vraiment, on s'autorise les petites pastilles quotidiennes, les petites aventures un peu extraordinaires d'Avni dans Toboggan, mais les histoires longues sont vraiment le truc propre à l'édition. Et je trouve que les deux matchent vraiment bien ensemble. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ce process. Super. Donc, c'est les 10 ans cette année, c'est pour ça qu'on est là. Et on a organisé plein de choses variées dont je n'aurai pas du tout le temps de tout vous balayer. Certaines ont déjà été évoquées. Axel parlait d'un concours et d'un numéro spécial de Toboggan. Toi, Romain, tu as parlé déjà de cette édition que vous voyez à droite de votre écran, qui est la réédition anniversaire du tome 1. C'est une édition complétée de bonus, notamment toutes les questions que les lecteurs posent depuis 10 ans à Romain et Vincent. Mais c'est aussi une édition qui a des oreilles, oreilles qui sont en réalité un dépliant qui contient des cartes prédécoupées monstrophones. Les cartes monstrophones, ce sont les cartes auxquelles jouent Avni et leurs copains et auxquelles jouent maintenant, comme vous pouvez le voir sur le visuel de gauche, auxquelles jouent maintenant les lecteurs, donc on est ravis. Côté marketing, il s'est passé pas mal de choses aussi, et notamment cette gazette qui est donc la gazette d'Animalia, la ville d'Avni, qui est l'occasion de montrer des extraits, des jeux, des inédits sur la série, pouvoir le distribuer aux lecteurs et futurs lecteurs sur tous les événements et salons auxquels Romain et Vincent vous avez participé et allez continuer à participer toute cette année grâce au travail d'Aurélie. Donc notamment Montreuil et Angoulême là à venir, mais je crois que vous n'êtes pas trop arrêtés ces derniers temps, donc voilà, donc il se passe vraiment beaucoup de choses autour de cet anniversaire, et voilà, il y a notamment deux événements qui vont avoir lieu sur le temps du salon, voilà, donc on est très très content de fêter ces 10 ans de toutes ces manières. Et puis pour terminer, je voulais un petit peu ouvrir sur la suite avec cette magnifique photo de Vincent que vous pourrez donc reconnaître. Voilà, parce que ça fait 10 ans qu'on accompagne Avni et qu'on en est ravis, mais il se passe aussi plein de choses en dehors de l'édition. Alors notamment, donc là, je vous ai mis deux couvertures de traduction, donc un Avni russe et un Avni espagnol. Ce sont des choses qui se développent et on est ravis. Je crois que les Espagnols adorent Avni. Et un petit teasing, donc cette photo de Vincent qui n'annonce pas son album solo, mais le travail qu'on est en train de faire sur une adaptation sonore. Donc je tease un peu parce qu'on n'en a pas encore, on n'a pas encore communiqué réellement dessus, mais il faudra rester connecté puisqu'on en parlera très vite. Voilà, mais l'idée c'est surtout de pouvoir se dire que voilà, ces 10 ans, on a accompagné Avni sur 10 ans et c'est chouette de faire ce retour-là un petit peu en arrière, mais c'est aussi l'occasion de marquer que c'est le début de plein de nouvelles aventures et voilà, que 10 ans, c'est pas du tout la fin pour Avni, ce n'est que le début. Voilà. Et donc, il est temps pour moi de vous remercier tous d'être là et de nous avoir écoutés. Vous pourrez donc, comme vient de le dire Elisa, nous retrouver sur le Salon du Livre à Montreuil. Donc, le stand Bayard est au premier étage, en librairie et aussi sur nos réseaux sociaux. On est sur Facebook et Instagram avec BD Kids. Et puis, je vous ai mis là sur la page ma petite adresse mail. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup aussi Romain, Vincent d'être venu nous raconter un petit peu toute cette histoire, et puis Axel d'avoir ramené la partie presse voilà, qui est quand même particulièrement importante dans l'histoire d'Avni. Merci à vous aussi. Merci à toutes et à tous. On vous précise que le stand Bayard est en E31 au niveau 1. Et par avance, on vous souhaite un excellent salon, que vous soyez exposant ou visiteur, visiteuse. Merci encore et très bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne journée, au revoir.